Face à l'opinion spéciale campagne électorale, nous sommes à 6 jours des élections du 20 décembre. République de Rokendeko Pona Bayeo Bako représenté Bissou Pona 5 ans Oyo et Zali Okoya Boza na Esika Malamu Penangonga Malamu na Liki Ketorole Xabatango Malamu Elongo Nabino Bosu Baka Kolanda Bissou Mbote Pe Boye Bola Mokona Lelo Toyambeli Bino Bongo Madame Clémence Feza Azali pour na compte équipe de campagne à président Félix Tshisekedi pe Azali Bongo moko ya ba expert na hotel domaine ya communication mona mboka Clémence Feza Mbote nazanga moko te sur ces plateaux naza bongo na ndeko danzando mona mboka Mbote bienvenue madame dans spéciale campagne électorale. Mona mboka fona kofongola bongo manaka ya mokona lelo boni campagne électorale ya candidat oyo zali ko soutenir candidat numéro 20 ezali bongo koleka na poto comme na suka ya campagne soki faut ko évaluer est-ce que ko koloba ke campagne na esalemi malamu biskela so aleki ezala ki penza na climat moko ya malamu. Oui mama na une partout candidat numéro 20 azolika moi c'est zone malamu. Parce que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce qu'on n'est pas à l'est de l'RDC, il est arrivé là-bas. Et Azal à Kassel, ils ont continué. Quand je parle de Kassel, Kassel, bien sûr, en tout cas, bien sûr, c'est une carnaval. Les lois à lui, il faut qu'on rappelle, il a déjà yamba mis la population, tout le monde est en Kananga, tout le monde est en Bujimaï, tout le monde est bisikana sazo le kabazo yambaye, kasi message na ye, il est très critiqué, na baye kepe ba susu, tata mon kamekolo, azo ko ba rosala ba province, c'est sikana sazo le karobi, oye salimite na rosala, oye salimite na rosala, est-ce que au moment, il y a rosala province, stoppé à évaluer, oye c'est salimaki. Mais je suis sûr que sans promesse, hein, et le coco salamaté, parce que nous se l'écara toujours par la promesse. C'est que sur les ma promesse, monsieur est salamaka 100%, monsieur soupe salamaté, c'est normal. À travailler mon côté, Azan a toute une équipe au Tobengi gouvernement. Donc, ce qui a le bien vanda, abanda kolobaka ka maye a sali déjà. Et que ça a déjà un problème parce que beaucoup de gens bah, ont le bapé par rapport à Yangwana. Alors, comme Yazo visé, Oyo et Salaminante, Ndengeni n'est pas qu'il y a un salaire. Yangwana a fait sa promesse, donc le problème est atteint. En 5 ans, est-ce qu'il a atteint son objectif? Si, il a atteint son objectif, parce que même si ce n'est pas à 100%, il a atteint son objectif. Il a été là, malgré les monts et merveilles. Avandi na kita bokondi, avandi na biso durant les 5 ans. Durant les 5 ans, il a été avec nous, il a été président de la République. Oui. Mais j'aimerais qu'on parle d'un aspect particulier. Oui. L'aspect de, parlons de la corruption. Est-ce qu'il a réussi? Ou des détournements? Voilà, la corruption, il n'a pas réussi à 100%. C'est un problème qui reste encore à résoudre. Par rapport au détournement, il continue, parce qu'il n'est pas le seul, il travaille là-dessus. On a vu, il y a un petit souci qu'on peut dire hein, par rapport à la justice. Beaucoup de gens, je sais que vous faites allusion par rapport à ça, on arrête quelqu'un demain, on les libère. Tout ça là, c'est peut-être cette partie-là qu'on pourra dire qu'il y a encore un souci. C'est le point négatif. C'est le point négatif de son bilan. Le point négatif de son bilan à ce qui concerne la justice. Ce qui concerne la justice. Mais qu'en est-il justement de ses promesses, justement, il disait qu'il va sensiblement combattre la corruption et le détournement avant sa prise de pouvoir. Est-ce qu'il a été au rendez-vous? Il a été au rendez-vous. Il a été au rendez-vous. Les résultats, c'est lesquels? C'est ça que je viens de dire. Ce n'est pas à 100% les résultats en ce qui concerne la corruption en République démocratique du Congo. Mais au moins, il a fait 50%. Alors, il promettait d'atteindre un chiffre de plus ou moins, je crois, 86 milliards sur 10 ans. Là, on est sur 5 ans, on est atteint 16 milliards, même pas la moitié.
Est-ce qu'il a été à la hauteur? Bon, ce qui est sûr, on doit mobiliser encore, c'est très important. Oui, on a promis, il n'a pas réussi à totaliser la somme dont vous faites mention, oui. Mais je crois que on continue encore à travailler là-dessus pour trouver la solution. Il a échoué alors? Donc il n'a pas totalement échoué. Il a un peu échoué. Il n'a pas totalement échoué. C'est parce que c'est à 50-50. Je dirais même 60, pas 50-50-60. C'est mieux. Il n'a pas échoué par rapport à ça. C'est très important. C'est très important. Oui, parce qu'on s'imagine que tout doit se réaliser comme avec une baguette magique. Hein, que non, on doit réaliser les tout dans les 5 ans. Il y a eu des côtés sombres, peut-être que la population ne connaît pas. C'est très important. Les gens qui ont géré, dans la gestion, je parle de la gestion actuelle, ils ont géré. Ils ont trouvé des difficultés, il fallait remonter, effacer toutes ces difficultés-là. Ils font les nécessaires. Où est-ce qu'il a été buté? Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, selon vous? Je vais prendre les cas de la sécurité à l'Est. C'est très important. Beaucoup de gens crient que non, le président n'a pas fini avec la guerre à l'Est. Il y a plusieurs aspects qu'on parle de la guerre à l'Est. Beaucoup de gens n'y tiennent pas compte. Sa réussite d'abord par rapport à la guerre à l'Est, c'est la partie économique. C'est très important. Aujourd'hui, les minerais ne sortent pas illicitement. Ça, c'est déjà très important. Bien sûr et certain. Sûr et certain. Les minerais ne sortent plus illicitement comme auparavant. Et on sait déjà, on peut dénicher qui pouvait provoquer les difficultés par rapport aux minerais. Tout le monde le sait, c'est le Rwanda. Même si ce n'est pas le Rwanda 100%, il y a d'autres mains mises. Mais la source principale, c'est le Rwanda. La deuxième partie, c'est la partie insécurité. Quand on parle de la partie insécurité, beaucoup de gens ne voient que les militaires prennent les armes, aller combattre. Non, il y a les problèmes tribalo-ethniques. Parce qu'à tout moment, quand il y avait la guerre à l'Est, on pointait plus que non, on s'attaque à une seule tribu ou ethnie, les Tutsis. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que ce n'est pas ça le problème qui amène l'insécurité à l'Est. Parce que même cette petite tribu que je pourrais dire, ce n'est pas le seul problème pour l'Est de la RDC. Et ce n'est pas les tribalismes comme beaucoup de gens pensent que non, il y avait une petite partie où tout le monde vivait dans des difficultés, ils n'avaient pas accès. Aujourd'hui, on montre à tout le monde que les Tutsis, c'est pas un problème pour la RDC. Les Tutsis, c'est pas un problème pour la RDC, mais il y a cette rhétorique de la communauté internationale qui dit que le gouvernement congolais collabore avec les FDLR. Est-ce que c'est une évidence? Mais finalement, les FDLR, parce qu'on a vu ça même avec Kabila, les Rwandais pointent du doigt à tout moment les FDLR. Si on remonte à l'histoire, hein, depuis l'époque de Mobutu, il y a eu des échanges. Kagame est venu chercher les FDLR jusqu'au Congo. Et ces problèmes créent aujourd'hui les déséquilibres pour le développement du Nord Kivu. Parce que jusque-là, on ne sait pas qui sont les FDLR dont on fait allusion. Parce que chaque jour, c'était ça la chanson. Si ce n'est pas les Tutsis, c'est les FDLR. Donc c'est difficile de justifier aujourd'hui. Kagame ne peut pas justifier qui sont ces FDLR dont la communauté internationale fait mention. Oui, nous parlons parce que la population congolaise meurt aussi chaque jour. On ne sait pas qui tue la population congolaise. Oui, nous parlons de la campagne du chef de l'État. Oui. Partout où il passe, est-ce qu'il peut dire qu'il a réussi à pacifier l'Est? Partout où il passe, dans son message de campagne. Mais s'il n'avait pas pacifié, on l'a réussi à Butembo comment? Si ce n'était pas le cas, comment on l'a réussi à Butembo? Donc il a réussi. Il a réussi. Parce que Butembo l'a accueilli.
On a vu ça. Quand on va tata mon cambéco, il a qu'est-ce que ma cambono se zali malam autant. Ça c'est qui malam autant belé babi. Ma qui fait ça l'évaluation entre 2019 n'est pas bande koko fané situation zala qui na 2023 les lots bah localité mon sous se zala anga baba paya et bah belé bah aucun des coups ma ponomité et moi quand le bas qui azat désolé pour n'ango même sous bah aucun ma ponomité. Ce qui fait ça l'évaluation est-ce que ça est longa? Yango na uta ki koloba. Lelo est longa, ce qui est obito lobe est longa pour na Félix Tshisekedi, et Zakara Likambo en sécurité. Zakara Likambo en sécurité, c'est très important. Et Zali Kambouya économique, et Zali Kambouya politique, et Zali Kambouya ba problème yaba frontière, et Zali Kambouya problème yaba problème ethnique, c'est très important. Parce que ce que Zala ki bongote, alinga ki akoma na bouté mbote. Alinga kia koma na gomate. Soke zaki bongota inga koma na gomate. Personnellement, oso soutenir Félix Tshisekedi, candidat numéro 20, pour l'année. Oso soutenir candidat numéro 20, d'abord parce que a pesi mwasi et sika. Soki to bandi na gouvernement, na eko bande banda tilelo dans les 5 ans, to mouna ki to zaki na vice-premier ministre et ministre environnement. Eza mwasi. Yami Balé, tout moni parmi ma gouverneur, gouverneur ou azo primé pe makasi, Fifi Masuka, aza moi si. Ce qui te kota na gouvernement, to bandi kota la ba ministre, moussous bazane, belé, ou pe bazo occupe ba poste, bien, basi bazé belé. Ou kozo ba handicapé lelo bazan na kata gouvernement. Et puis bazo sal. C'est très important. Kapon ayango? Nazo continue, liste les amoulay. Tu es quand là bas jeune, bas jeune les lobes à côté et belé. Ce qui total qui est bandeau sur bas candidat na bas bourgmestre, tout mona qui bas jeune bas côté et belé. Oh ils allaient que loco bandeau qu'au salamati. Les lobes sont total ils bas candidat député nanzela, ils à la provinciale, ils à la nationale, bas jeune bas et belé. Ils a déjà très important. Tu es quand côte à côté il y a santé. Toujours. Gratuité à maternité. Et ça facilité. Pour battre bien la ba gratuité à maternité, ba mon araka ka Kinshasa. Et ça ka Kinshasa te. Na ma province, bazan a besoin na. Mais Kinshasa le lo bazo réussir. Pour et ça na bat mususo ke na hôpital, ata so ke za ki 20 000. Ata 30 000 pour foot et ça qui passe. Et lo ba mama ebele ba robota sans problème. Aux yeux gratuité école. Bana bazo tanga. Et puis ba école ezo tongama. C'est très important. Oza maman, oza maman les bande ko opposition mingwazo ba ke candidat na bino, candidat numéro 20 à Kakemi na ba domaine nyonso. Ce qu'il faut ça là bilan naye topé évaluation vie à congolais. Na 2019 na vie à Congolais en 2023. Aux mamans, aux ébi cuisine, aux ébi situation un peuple congolais. Est-ce que situation un peuple congolais et s'améliorer Kolanda ka slogan à Bango, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Il y a une chose que les gens doivent comprendre. Pour ezana batu bavanda, erba lobi peuple d'abord. Bah ming bandor quand c'est que bah buki nzete man du ciel, bah que bah buki bah il va déposer. Ça n'a rien à voir. Les gens doivent travailler. C'est très important. Et puis, alors, on a eu le banan, on a eu le il faut que tu changes la mentalité, c'est très important. Ce qui est le président de la République, il a travaillé à mon côté. Il a travaillé à mon côté. Il a travaillé à mon côté. Mais tu as eu le temps, il a eu le temps, il a eu le temps. Au ming opposition par le même sur assez l'autre parce que opposition par l'ingaki que non président de la République a quitté et pas y a bourgmestre ata la musara ni bourgmestre ça là qui kaka bison un peu tout le matin le bassus a commis sentinelle y a aucun de vérifier bani ni on saura au même moment bison mon goto lingito le bac pour à tout moment balo bara social n'est bique batubele bazo le bas macambo dollar. Dollar, pouvoir d'achat, situation, il y a population, motona moto à vivre na les foutanae,
qu'au vivre décemment, on est dans un beau comme on souffre. Mais décemment, on ne refuse pas. Et ça, c'est que pour le bide décemment, il y a un président de Kobuka, il y a Pessibiso. Les gens doivent travailler. C'est très important. Nazonga il comme travail justement Nazawana. Est-ce que Montonio ça zo travailler, zo se retrouver dans mon sala naé pour vivre, à faire vivre libota naé décemment ndenge vision, il y a papa Étienne Ezala qui ndenge vision, il y a Félix Tshisekedi qui na 2018 et qui na lutte contre la pauvreté. Effectivement. Le travail pour ceux qui que ton d'autre travailler té. Mais batébélé ba vain nandap. Donc tant que Montonio mutaye bi qui na musala na zo sala. Azolia mbuma na musalo azosala yango na musalo ezo continue ndaki sa na ropesa exemple na yo ceux qui na musala na obande ko bénéficier na le côté je suis pas sûr nga ko ya esu libo soit micro pour koloba très important. Mais parlons de travail justement, vous parlez travail, le chef a promis pour le prochain quinquennat plus de 6 millions d'emplois, mais qu'est-ce qui a été fait pour le premier quinquennat? 6 millions de travail. Désolé. Il y a, je vais prendre l'exemple, il y a un entrepreneur, Oba Yamba Maki, qui ensemble le président de la République. Ma millionnaire. Oui, c'est ça le problème, il y a un millionnaire. Il y a un millionnaire, il y a un président Kolongo, si Kazali a une commission millionnaire. Bah, il faut, déjà. Il faut Oyeba, Yomoko, Koluka. C'est très important. Donc, Inkolobani, l'entrepreneur au Bayamba qui, bah monaki que non, tous en a Congo. Et là qu'on y na koki ko sala ngai moko nan projet na ngai ni na koki ko sala. Pour battre belé bazan angote. Projet na ngai ni ne koki ko sala. Pour essayer que na avancer. Pour yo moko soza dans un projet. Bah monsieur Baba qui non na projet na ngai ya tomate. Bah monsieur Subalobi na projet na ngai ya pili pili. Bah monsieur Subalobi na projet na ngai ya ko boko la bangulu. Eh ben, qui n'a pas projet na bango, moutouna mouta qui n'a pas projet na dengue na, on l'a soutenu. Mbongo ba pesa ki yenda yebi ko balo la mbongo na epe a créé le entreprise na lelo entreprise ezo fonctionné. C'est par rapport à ça. Ko créé millionnaire et n'kolo bate ke bazu yo ba pesi yo mbongo van nanda koko millionnaire te. Eza na bato moussous ba yebi ko kangasuki. Na ko kangasuki na bango. Ba projet ba sala ki ba kenda ki ba pesi quelque chose pour avancer na musala wana. Est-ce qu'il y a eu combien? Mutu mususa ko zalaza ki na media a créer quand on les soutient pour media na evanda. C'est déjà très important. Oui, ça c'est très important. Mais à quel niveau nous sommes aujourd'hui, 2018, 2019, 2023? Je ne vais pas peut-être m'attarder sur les chiffres, hein. Je ne sais pas si vous avez les chiffres, je ne sais pas vous le poser cette question, vous n'êtes pas ministre de l'Emploi, mais à quelle hauteur on peut évaluer le nombre des jeunes qui ont bénéficié de ces projets, à quel niveau on peut évaluer ceux qui ont été un peu accrochés à un type de travail, en quelque sorte, hein, plus ou moins. Je ne veux pas parler des chiffres, hein. Ah, je sais pourquoi je vous ai épargné de ça. Ouais, je ne vais pas parler de chiffres, c'est très important. Aujourd'hui, par rapport à ceux qui ont réussi, parce que ceux-là, il n'y a pas que des hommes, hein, il y a des femmes. Il y a des jeunes qui se sont lancés. Donc, ça dépend de n'importe quelle activité où chacun a trouvé... moyen, on pourra dire que c'est dans le 60%. Oui, si je reviens sur ça, parce que beaucoup de gens pensaient que tout le monde devrait se retrouver dans ça. Il y a des gens, je dirais 60% dans l'entrepreneuriat. 60% dans l'entrepreneuriat. Alors, il y a la femme dont vous faisiez mention tantôt, la femme est vue comme un être faible, un être marginalisé, un être qui n'est pas valorisé. Qu'est-ce qui a été fait pour la femme pendant le premier mandat? La femme congolaise, en général, pour lui donner du poids, de la valeur, de l'importance, qu'est-ce qui a été fait pour la femme, madame? Mais c'est ça que je dis. Déjà, quand on a eu un vice-premier ministre,
de l'environnement, vice-premier ministre et ministre de l'environnement, c'était une femme. Avant qu'elle n'assume que la fonction du ministre de l'environnement, c'était une femme. Et c'est pas par cadeau qu'on a donné à Eve Bazaïba. Non. Elle a mérité. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Qui porte le bilan? C'est le chef lui-même ou son gouvernement? Ou ses gouvernements? Parce qu'il a eu trois gouvernements pendant 5 ans. Ça sera lui-même en tant qu'institution président ou tous ces trois gouvernements? Tous les trois gouvernements. C'est très important. On ne peut pas donner le bilan que président de la République. Pourquoi je le dis? Parce que bien sûr qu'il est le garant de la nation. Le président de la République a son rôle à jouer. Et ceux qui l'accompagnent ont aussi leur rôle à jouer. Alors, on a vu dans les... Tous ceux qui sont là, ils ne sont pas d'une même province, comme les gens pensent. Ils sont sortis de plusieurs provinces. De plusieurs provinces. C'est déjà très important. En commençant par le premier ministre. Il n'est pas de la même province que le président de la République, suivi des autres. C'est très important. Donc, si aujourd'hui on doit évaluer tous ces mondes-là, parce qu'ils avaient un rôle à jouer. Et chacun a fait de son mieux. On a vu les premiers ministres, le voyage qu'il a effectué, on a vu les gouvernements, quand je parle gouvernement, tous les membres du gouvernement, chacun a joué un rôle dans son domaine. Donc, si aujourd'hui on doit dire que le bilan, on ne peut pas seulement voir les présidents de la République parce qu'on se base trop sur ça. Et c'est ce qui a fait que les années antérieures, les présidents qui étaient là, ils ont travaillé, chacun a fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais les Congolais, nous sommes restés toujours avec cette idée-là de croire que c'est toujours le président qui doit. Vous voyez, c'est toujours lui qui doit contrôler. Or, il a les collaborateurs. Les collaborateurs sont là aussi pour l'aider. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller. Aujourd'hui, on voit qu'ils sillonnent toutes les provinces. Mais il y a des endroits où il n'est pas arrivé. C'est ça. Ensemble pour la République avait 5 ministères. Warrior, gouvernement de Warrior 2. SAMA 2. Le bilan est positif. Donc, ils ont contribué à ce bilan positif. Effectivement. Si on dit qu'aujourd'hui le bilan est négatif, ils ont travaillé avec les présidents de la République. Donc ce sont des gens qui ne peuvent pas s'élever pour commencer à juger. C'est lui qui a assuré ou qui devrait gérer les ministères du plan. Il est des ensemble pour la République. Le ministre des Transports, il était de là. Le ministre de l'Enseignement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'élever pour dire que non, ces gens-là n'ont pas travaillé. Ils ont fait 5 ans. Ils n'ont pas fait 2 ans, 5 ans. Donc, ce n'est pas dans quelques mois où ils ont quitté qu'on va dire que non, ils n'étaient pas dans le gouvernement. Ils ont fait 5 ans. Donc, avant de juger, il faut se poser la question. Ce qu'il faut définir, mandat à Félix Tshisekedi de 5 ans, éthique aussi, là, en deux mots. Au Lobeza, mandat est acquis, accès et essentiellement sur Nîmes. Je vais prendre 3 éléments. D'abord, la politique extérieure. Mon voyage. Non, mais le voyage, là, il n'allait pas pour dormir. Mon voyage, il a quitté pour que nous la pongi. Et mes mini en termes de résultats. Azala qui. Anda qui. Comment on le dit en anglais là. Il chapeautait l'Union africaine. C'est très important. Ils ont un organisme international. Mais c'est ça. Ils ont besoin d'aller la mandat. Non, ceux qui mandent, ils ont une année. Ils ont un mandat pour une année. C'est très important. À chapeautant. Ils ont un organisme qui est un organisme qui est un. La RDC est qui représente. Lelo Azalaki négociateur. Il a négocié pour un problème où il y a Tchad. Tout le monde est abouti. C'est très important. Oh, Ezaki est loco tokoka qui pour ça la tête. Congolais, mais pour l'unique Congolais a gagné. C'est ça la question. Non, oui, pour l'unique a gagné. Il y a un moment déjà, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les lots sont au lobby. Moutou a qu'un dépôt dans l'organisme. Oh, Congolais, ils ont travaillé quelque part.
y a des Congolais qui sont à l'étranger. Bah, organisme nana bosani, ezébélé. Oh, bah, Congolais, bah, zo travail, bah, zaba membre. Eza ma bété, on a zo le bel awa intérêt général y a population. Tant aux ans, à l'Ikambo à Est, au Bissot, to bel et libre, et c'est qu'un autre que Rwanda, a zo attaqué Bissot, bah, to mingité, bah, zu vraiment langage na Bissot, et bah, hop, bah, tangi, bah, combo na y a Rwanda. Non, bon, j'ai compris. Nazo comprend. En termes de diplomatie, obino obino. Sanction, obino bozo kanisa. Diplomatie agissante, nabino. Population, to Congo est gagné ni na yango ne question na ngamo tuna na ngayo. Nazo zonga côté ya Rwanda. Pour peut-être bat bakanisa ka il fallait battre malo ba Rwanda. Longwa wana. C'est ça que les gens pensent que diplomatie yango wana. Ce que tu l'as dit Kagame, na 5 ans Félix. Kagame a telemaki eloko asala kara a telemal obake non président Félix a zo kité na ba élection. C'est déjà un problème. Ce kaza qui choquete. C'est déjà un problème. Kagame a telemi pour tout moment bazo obake non azo tinda ba tu bazo kota pour na kubunda bitumba. Oui. Biso to mona kangote parce que to zakunate. Bisoto mona kaka oyo batu bazoloba mais lelo so babi okende na terrain o vando mona bitumba o mona ce qui se passe o koloba ke poto yebi ba media nyo sazaka na ligne éditoriale na to yebi ni noto diffuser na ni noto diffuser raté. C'est très important na yebi ka bato bele ba ozi la balo ba fale ba zo minduki balo ba Kagame tike loko zo sala ou bien Félix Tshisekedi azwa reçu koza la sanctionner na bambuka ebe o balati c'est vrai que ça contexte mon côté mais quand même est-ce que guerre ici là qui entre Russie na Ukraine est-ce que mais tout monde réaction les gens se sont levés non battre les mi balobaki et pour le Congo le problème est profond mais c'est ça le complot est profond oui mais après diplomatie agissante au binomo sali to gagner nini soko ngito lobela makambo Russie ndiko zoloba. La même chose, est-ce que mon guerre est en Russie? Malgré que ma téléma qui va lobby, guerre est en Ukraine. Ukraine a bénéficié de quelque chose. Ah oui? Jusque-là. Net ni l'Ukraine a bénéficié. Est soutenu militairement par les États-Unis. Militairement, est-ce que Vladimir a cessé avec les combats? Il continue. Mais pourquoi nous ne sommes pas soutenus comme l'Ukraine? Mais vous voulez qu'on. Il y a eu l'ESC. Mbokani est là, tu es tombé à Congo, le l'ESC. Ils ont partagé la vie, Nabisho et Lati et Tumba Nabisho. Bokani. Donc, ce que l'ingé et Tumba, Mboke Lata, c'est-à-dire quoi? Bah, soda, bah, yé, bah, koti, pa Nabisho, bah, bandi, ko, même pas, même naba réunion, y a EAC, belé, bah, y a belé, bah, zan, a difficulté, à kotanga, Rwanda, nda, zo, bondi, sa biso. Ce que vous avez difficulté, pourquoi alors, bah, bimina, Congo? Ce que vous avez difficulté, à kotanga, pourquoi, bah, bimina, Congo? Pour na yo, diplomatie, les a positive diplomatie diplomatie est positive et botimbu mama kasi pop na yebi ke Congo na bande lisusu Congo to lingaki bazwa arme ba kendo kota ti na Rwanda yango wana diplomatie soki diplomatie to lingaki et salam yango wana de diplomatie po na biso tozo ba arme to kota na Rwanda ou bien batu ba tele mabando manifester to c'est ça la diplomatie mais biso moto salani. Pour ceux qui ont moko ndeu tozana wa zone dimaté. Batu ba Rwanda biso ba ndima ndenge nini ke diplomatie ezo sala. Diplomatie fallait batinda ba soda. Non, yango wana. Diplomatie. Mais c'est ça, diplomatie fallait batinda ba soda ba yeba koti pa na biso. Ba arme tondo so mbaté to comment so ba arme ndenge. Ceux qui diplomatie ba ndo sala te. C'est très important. To eza batu be ba kan sa diplomatie na guerre, eza guerre. Guerre eza ba point ebelé. Guerre à est ça un point ébélé. D'abord qu'ils ont un point économique ezali, politique ezali, sécurité ezali. Tout le monde a guerre, tout le monde a la diplomatie. Parmi ba ba point fort, tout le ba raison au tata mokambeko abanda ok ba voyage ezali qui kobenga ba investisseurs. Le lot combien d'investisseurs? C'est pas comme Erabila, hein? Ba investisseurs boni baye pe na domaine. Investissement. Tout ça, les lots, dans un exemple, il y a un cas hôpital général de référence. Maman, il bateau a construit. Il a signé,
Ils ont engagement au Bazouaki. Et l'autre, moni, maman et mon dingue, salam. Centre financier, ils allent. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont les gens qui sont venus investir. Bah, on est investir, bah, yaki. Oui. Pour investir, toke kota ba minerai. Bah, tu vas aller au Bazosal. La minerai, ou bah, yé, pour bah investir. Nan dingue, bazo, changer. Mais tout le monde en a construction, hôtellerie c'est déjà bon parce que c'est très important. L'hôtellerie c'est très important. Tout le monde en a salami, l'infrastructure isali. Vous ne pouvez pas estimer ça en termes de chiffres parce que déjà nous avons un problème au Congo. Il y a pas, on n'a pas fait de recensement et pourtant c'était promis. Oui, on a même vu le chef de l'État se faire capturer. Le ministre, comme il avait promis pour juin 2023, nous sommes en décembre, ça n'a pas été fait. Donc, je comprends que vous avez des problèmes à foncer des chiffres parce qu'on ne sait même pas combien de Congolais nous sommes. Ça vous met vous-même en difficulté, madame. Oui, est-ce que vous ne comprenez pas? Oui, je comprends. C'est ce que je dis. Tout au début, j'avais dit que le bilan n'est pas seulement positif. Il y a les points négatifs aussi. C'est très important. Cette histoire, il y a pour enregistrer les gens. Ça complique déjà, même pour nous-mêmes. Parce qu'il y a des gens qui voyagent aujourd'hui avec les passeports congolais. Il y a des gens qui se déplacent avec notre identité. Normalement, ministre et affaires étrangères, il fallait à revoir. Peut-être qu'on va couper ça, va document, parce que c'est très important. Parce que jusque-là, il y a un souci parce qu'il y a des gens qui ont des documents, mais on ne sait pas comment détenir un document. Il y a identité dans Bisso, ce qui va être en temps. On a déjà problème pour la Bisso. Enrôlement, malgré tout le monde qui a enrôlement, parce que Messanissi Bisso déjà. Considérant enrôlement comme une solution pour nous avoir un nombre d'autosali dans le Mboka. On a un problème. Le président Félix a coca qui est comme ça. Le place où on a échoué, le place où on a. Le place où on a bilan négatif. Et ça, il y a un bon bâti. Bilan négatif, le place où on a. Je crois peut-être le deuxième mandat. Peut-être. Oui, je crois peut-être. Oui, c'est très important. Le deuxième mandat. Ça pourra figurer parmi l'élément primordial au Yaï, parce que c'est très important. D'accord, c'est très important. Mais normalement, vous devriez avoir des chiffres pour convaincre les Congolais. Ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour convaincre quelqu'un à vous donner, ou faire encore confiance à nouveau, vous devez dire, ben voilà, où je suis arrivé, voici où je suis maintenant, voilà où je compte aller. Mais quand vous n'avez pas ça, ça fait quand même, on se dit, mais bon, là, il y a un sérieux problème. Déjà, quand vous prenez notre économie au niveau interne, c'est vrai, la situation mondiale n'a pas été réduisante, mais déjà, l'inflation a été à un niveau quand même assez inquiétant. Vous voyez, l'inflation, les prix des denrées alimentaires, c'est inquiétant. Et avec ça aussi, malgré l'augmentation des salaires des fonctionnaires, le pouvoir d'achat n'a pas été au rendez-vous parce que chaque fois que le dollar baisse, il y a un coût sur le pouvoir d'achat. Tout ceci devait être encadré par le gouvernement. Dans ce secteur-là, apparemment, il y a beaucoup à faire, madame. Vous ne trouvez pas? Si, il y a beaucoup à faire. C'est aussi parmi les chèques. Hein. Mm-hmm. Les points négatifs, mm-hmm. moi, je dirais. Mm-hmm. Parce que on continue avec cette idée-là de croire que tout doit venir de l'extérieur. Sur ces points-là, nous ne sommes pas éveillés. Parlons de l'économie. Comment on va vivre au moment où il y a les étrangers qui ont l'économie entre les mains? Les dollars, ce n'est pas notre monnaie. Voilà. Le ministre de l'économie devrait revoir ça parce que tous les ministres qui sont passés, donc le poste est là, c'est compliqué. Déjà, nous ne produisons pas. Nous ne produisons pas. Et c'est très dangereux. C'est ça.
que les gens n'arrivent pas à inculquer aux Congolais la production. Si ce qui bama Tungulu, il faut où Talibanda. Parce qu'on peut produire ça ici. Congo central, à l'est de la RDC, Bako produire. Mais tant qu'ils ont où Talibanda, Ndegani négocie là que biso économie la biso est dans la stable. C'est difficile. En termes de Milona, Ndegozolo Belango, Nini, c'est vrai que le problème est à mon néné. Il faut reconnaître l'outil musical. En termes de Ndego, Félix Tshisekedi d'Alaki qui a diversifié l'économie dans le deuxième mandat. Mais Nini Salemi, il faut en fournir pendant 5 ans. Pas Nini to sali pour tout baquer. Soit to pessier confiance, Balakoya au salaire mieux. Panini auto sale. Place wana, c'est moins difficile à voloba. Mais n'a pas expliqué en autrement. Bah ministre, il y a économie pour tout moni mutu mon côté aye na projet mon quoi lobby qui non projet oyo et ko aider pour na boue projet oyo ko aider pour na boue exacte. Tout mona qui est loco moko oya sala ki ya masango. Il y a Masangu. Ou bah, comment les appelle Chege, Kanyama Kasese. Projet Wana. Aider plus par rapport à Masangu. Alors, si peut-être, bah, améliorer qui sous projet Wana, bah, multiplier qui plutôt, bah, projet Wana, dans différentes provinces, tout le monde a un problème, tu côté à Koulia. L'unique projet où il réussir, c'est au Wana Kanyama Kasese. Par rapport à production. Combien de pourcents de population bah, pourcentage à mon lobby et à mon qui est parce que bah salien au caca et si comme moko mais ce qui va multiplier qui en go bah multiplier qui en go bah projet à bongo bah multiplier qui en go il n'y a que faciliter les lots production et à la Kinshasa. Et ça, la province. Et ça, les salles, ma pinza, t'es mon soleil, les anaki, ma canissière au sol, les anaki, volonté, les anaki, pour voir la qui buso, revanche. C'est la chose à bino, quand le banamino revanche, il y a sol sur le sous-sol. Tata, mon camion, la kena, la kiko, le kuna, le bia, zu, clé, a roulé sa population. Et ça, ma lobaka, y a yemon. Ni les salles qui est salé, ma pinza. Yamon a lobby. Président Zagana, ma collaborateur. Président Azana ba collaborateur. Il y a Koki Koloba. Est-ce que ba collaborateur ba réalisé qui? Pour Koloba langa qu'il fallait Azonga a kende pe ko tala ce que c'est réalisé qui? Ba collaborateur. À ce niveau-là, je ne pourrais pas vous répondre. Et comment croire que ce qui va passer 5 ans au Soussou à Osala? Non, c'est au fait. Oya Koki Osala était dans 5 ans et tu collègues. Moutounion Sazalaka, na période y a essai. Ah, 5 ans, Isaac y a essai. S'il vous plaît, c'est le premier mandat. Isaac y a essai. Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir mon idée. Ou t'es pas là, non, mais c'est ça, laissez-moi finir mon idée. Ok, je vous en prie. Moutounion Sazalaka, na période y a essai, na vie, ce qui a s'est lancé dans quelque chose. Er Moutozo Salabongo, a koye bake place oyo, ce qui na chutaki, Isaac y pona eloko boye, na lukana s'améliorer. Donc, qui peut ça va flirter le président de la République, tout le monde va flirter. C'est très important. Donc, ce qui est bi, ce qui est bi, c'est la population. Tu es que Koto et Mokondi a zoa quitté. Mais bi, c'est ce qui est ça la nune pour toi améliorer. Au balobi, on peut ça va mounir sur seconde chance. C'est comme ça que tu es un peu dans deuxième mandat, ce qui est réalisé, c'est très important. Tu peux essayer une seconde chance. Na pese exemple, ndakoye bandenge nini akoki ko améliorer. C'est très important. Pour ça, tolobika lelo que non, il a échoué. Biso peto sa ki nini po a échoué. Ou bien biso to sa ki nini po a avancé. Mais sur quoi va-t-il s'appuyer au second mandat essentiellement? Sur quoi va-t-il essentiellement s'appuyer s'il avait un second mandat?
C'est ce que je disais, s'il avait un second mandat. La première des choses, il a donné à tout le monde cette chance-là. Quand je parle de la chance, on a vu dans les gouvernements, tout le monde est représenté. C'est-à-dire toutes les provinces se retrouvent. Okay? Toutes les provinces. Ce n'est pas une province qui prime sur l'autre, non. Et puis, il a donné la chance à la jeunesse. Peut-être la jeunesse, quelque part, n'a pas pu profiter de cette chance. Si on voit le premier ministre Samalou Kondé, il n'est pas si âgé comme on le croit. C'est très important. Il n'est pas si âgé comme on le croit. Mais sur quoi va-t-il s'appuyer, justement? C'est ça. Oui. Donc, il croit à la jeunesse. Cette confiance-là, déjà, il a la jeunesse. C'est très important. Parce que quand quelqu'un te donne cette chance-là, te donne cette opportunité, il croit en toi. C'est ce qu'on n'a pas vu chez les autres. On s'est basé plus sur les personnes âgées. Et aujourd'hui, on a vu, il y a des conseillers municipaux, hein, il y a des candidats qui vont postuler. Ce sont les jeunes. Il a fait renaître aux jeunes ce courage-là d'avancer. C'est très important. Des deux. La jeunesse. Il va s'appuyer sur la jeunesse. Oui. La jeunesse. De deux. Le président de la République, c'est un homme qui a facilité l'échange. Si je dis un homme, hein, il est président. L'échange avec l'autre. Cette communication-là, la conversation-là de changer avec l'autre. Parce que beaucoup de gens le voient à une autre dimension. Qui n'ont pas... Donc un chef qui écoute et qui échange avec ses collaborateurs. C'est très important. L'homme qui écoute. Il est descendu sur le terrain, visiter, échanger avec la population. Il écoute, il a le temps d'écouter la population. Et quand la population, il voit la souffrance, c'est pas que c'est quelqu'un qui va dire que non, on va dire aujourd'hui il dort, ça passe. Non, on a vu à plusieurs fois quand il va sur le terrain, ils échangent avec la population. Alors, on a vu tout ça, mais concrètement, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, qu'est-ce qu'on voit à la fonction publique, le ministre de la fonction publique. Il y a eu des retraités, il y a eu des gens qui continuent à travailler la fonction publique. Et pour le second mandat, ça c'est le premier mandat. Oui, c'est le second mandat. Pour le second mandat. Oui. On a vu les gens qui travaillent à la fonction publique. Et les gens continuent. Donc, pour les second mandats, si on va vers les fonctionnaires ont réussi pour leur part. Ils sont contents de ce qu'ils ont vécu pendant tous ces temps. Je ne vois pas les fonctionnaires qui vont... Ben, ce qui est sûr, ce n'est pas à 100%. Il y a toujours des personnes, des brebis égarées, sans on le sait. On ne peut pas tout donner à 100%. C'est très bien, j'aime bien votre argumentaire, mais l'estimation de la population congolaise, c'est plus ou moins 100 millions d'habitants. Or, les fonctionnaires, c'est pas 30%, tout le monde, il n'y a pas 30% des Congolais qui est fonctionnaire. Donc, l'impact doit être beaucoup plus étendu à d'autres catégories. Les actions d'envergure posées, c'est à ça que tout le monde aspire. Comment y arriver? Comment y aller? Il y a eu les écoles qu'on a construites dans différentes provinces. Il y a eu des écoles qu'on a réhabilitées. Il y a eu les hôpitaux qu'on a réhabilités. Il y a des routes qu'on a construites. Même si ce n'est pas dans toute la RDC, je vais prendre l'exemple de Kinshasa parce que c'est là où nous sommes maintenant. Il y a Elengesa qu'on a construite. C'est combien de kilomètres, Elengesa? Non. Là, je ne okay, veux pas. Okay. Et si on multipliait, ou si on avait multiplié cela, ça allait aider pour désengorger la ville de Kinshasa. Je ne veux pas parler des sauts moutons. Ça, je ne veux pas parler de ça. La route construite.
cette partie-là, la population est contente. Si on va vers l'UPN, aujourd'hui, les habitants qui quittaient Malueka, c'était difficile. Aujourd'hui, les gens peuvent circuler au niveau des Malueka. Malueka, IPN, Mongafula, aujourd'hui, peuvent circuler. Les embouteillages, puisque nous parlons de, oui, de, les embouteillages, de la circulation. Les embouteillages, si tout le monde... C'est pas la responsabilité du chef de l'État. Le pouvoir doit être... chacun doit jouer son rôle. Oui. Mais est-ce qu'au niveau inférieur, le boulot a été fait? Quand je parlais du niveau inférieur, c'est-à-dire quoi? Par exemple, la ville de Kinshasa, c'est le gouverneur. Oui. Est-ce qu'il a été à même de régler ses problèmes? Comment dire, embouteillage, insalubrité, et tout ce qu'il y a, nuisance sonore, insécurité. On a beaucoup de problèmes à Kinshasa. Il y a un problème chez nous. Au même moment, le petit peuple, si je parle de petit peuple, c'est la population. On a vu quand les gouverneurs s'étaient mis à détruire des constructions anarchiques. À Barumbu, ici, on voit, il y a des bars, on a arrêté. La même population s'est levée pour dire que non, nous ne vivons que de ça. Et quand la population s'élève pour soutenir ça, qu'est-ce que vous voulez que les chefs fassent à ce moment-là? Au contraire, la population devrait soutenir ces actions-là. Au contraire, la population devrait soutenir. Là, vous soutenez le gouverneur. Il devrait soutenir le gouverneur. Là, vous soutenez le gouverneur. Le bilan du gouverneur est positif. Non, le bilan du gouverneur de Kinshasa, non. Il est négatif. Il est négatif. Il est négatif. On peut parler des 30%. Non, soyons sérieux, c'est très important. Ce n'est pas parce que je parle du président de la République, parce qu'il y a ses collaborateurs. On parle aussi des collaborateurs. On doit arrêter de voir que le président. On doit voir aussi les collaborateurs. Parce que les gens doivent aller lire. C'est très important. Le gouverneur a échoué. Le gouverneur de Kinshasa a échoué. Mais ça rentre dans le bilan du chef. Si, ça rentre dans le bilan du chef. Ça lui permettra, ça va aider au chef, hein, prochainement, quand il va chercher les collaborateurs, de choisir avec qui il faut travailler. C'est très important. Il doit tenir compte de ça. Parce que plus il... Kibopapa, je pourrais dire. Plus il reste dans Kibopapa, les autres en profitent. Donc, cette fois-ci, ceux qui ont un deuxième mandat, il faut vraiment appeler sa population chance. Il faut appeler sa population chance. Il y a population aya alobake mutuboye et marchete. Et puis, ce qui est marchete, va écarter. Parce que c'est son image au Batubazo Zélé. Les gouverneurs de province, on ne va pas seulement parler de Ngobila. Est-ce que dans l'ensemble, ils ont été bons? Les 25 gouverneurs en dehors de Ngobila, à travers le pays. Bon, je vais plus voir les gouverneurs qui sont actifs. Hein. On va voir à Goma, le gouverneur militaire, il a réussi à faire quelque chose. Il y a les gouverneurs de l'Ituri, parce qu'ils sont toujours sous les... L'état de siège. L'état de siège, ils ont travaillé comme gouverneur. Il y a eu au Katanga... Kaboula, Jacques Kaboula. Kaboula. Madame Masuka. Madame Fifi Masuka, on a vu ça. Au Congo central, même s'il y a eu des changements, c'est un peu difficile par rapport à ça. Au Congo central. Et sur les 26, combien ont été bons, selon vous? Bon, quand vous parlez des bons, là, je suis sûr que vous êtes en train de dire par rapport aux actions. Oui. C'est ça, non? Oui, la par rapport aux actions que les gens ont vues. Et parmi les actions, en tout cas, les 5 premiers... Je pourrais dire, hein, parmi les 26, il y a 5. 5 sur 26. 5 dans la première catégorie, 10 dans la deuxième catégorie, et puis je dirais 16 sur le 26. 16 Madame sur 26. Clémence Feza, to komiko komanasuka émission, et bien la batubaza ko... kolobaete bozana discours ya kampante, bozana discours ya... candidat de l'étranger, parce que justement vous manquez discours et à campagne. Sur quel projet vous allez comporter campagne électorale, il y a Félix Tshisekedi, parce que lors il y a dépôt à candidature, on a eu à l'Obaki
après ça qui sont flash sur programme naya lobby 55 territoires. Non non, le jour où il y a dépôt il y a candidature okay. Aloba qui projet naya et vous allez bon renaissance remontada développement et crédibilité. Si monango to qui se suite était sur yango, boye les biso 6 engagements na lettre ya aux compatriotes sur quoi le loba lamboka isengel bakanga que ils ont porté message ya campagne ya candidat numéro 20. Au fait, il faut tout rectifier le mot parce que non, Kabatebele Baolo Bango, candidat de l'étranger. C'est la même chose de l'autre côté, Moutouna Moutou. Pendant la période, il y a campagne électorale, Moutouna Moutou, il y a un mot-clé ou bien les jetons, les pics. Mais ça nous fait passer à côté de l'essentiel. Non, 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 non. Nous sommes à côté de l'essentiel. L'essentiel est que. Candidat Elibiso Nini, nde yango motuya. Candidat Elibiso Nini, parcours nuance. Il y a candidat numéro 20 place à Tamboli, après ça a toujours message naye. Il y a loko ayiko sala. Et ça a été que assez bazaka sur candidat de l'étranger non. Cette histoire candidat de l'étranger to ebi déjà ndenge nini salike et tambola. Cette histoire ya candidat de l'étranger et ndenge moko ndenge batu bavanda ki ba se ligue po balobake. Tribalisme, les Kassai, Ezakara, les Kassai, Inde, Ezana Kata gouvernement. Ndengepe, message, on est Kendaki, il y a candidat de l'étranger. Parce que Moutinyo Salinga s'est focalisé sur Ango. Il y a candidat de l'étranger. Ezakara, Yango n'a été président de la République ou bien candidat numéro 20 place à l'Ekaka, à l'Obaka. Non, non. Mais tu as vu sur le solo, Ango, sur quoi est basé message à campagne, il y a Félix Tshisekedi. D'après cet exemple, il y a sécurité. Il y a Goma. Le message n'est pas à l'obaki na Goma. Aibisaki na Goma. Bomoni ndenge déjà tout avancé par rapport à la guerre. To ebi nani oyazana sima ya guerre ndenge tozo vanda. Nani oyazo sala ke ba ennemi bazala toujours na sima mboka. Mais eloko na ebi sibino na kosuka kaka wana te nazo continuer na ba idée. Na ba programme on rien ngo pona insécurité et si là justement idée ngo ezani ni programme ngo ezani pour ce qu'il faut pesa mo soko ko sombela mbaba tchare champion non mais c'est la même chose on a ni na lobana si si te programme eza na bilo musoto il faut tout se comprendre o baloba ka secret défense c'est très important tolobe la makambo ya guerre tolobe makambo ya guerre tolobe te ke no ba pesa ba tufufu ko lia non. Tout le monde est déjà dans l'EAC. Pour les bossots, on doit compter sur l'EAC. On comptait sur les autres. Les lots, partout au président Tamboli, on comptait sur les FRDC. C'est déjà une grande avancée. On comptait sur les FRDC. Alors, on va dire que non, Batoubo et Bakouaro et Debiso, non. Et pourquoi on entend les militaires de la SADC? On attend les militaires de la SADC. Oui, la SADC sera va être bientôt déployé. Ok. C'est pas pour la première fois que la SADC arrive ici ou qu'on déploie la SADC. Mais les FRDC, jusque là, malgré qu'il y aura la SADC, mais les FRDC, quand on parle, c'est plus les FRDC. On se base plus sur les FRDC. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les FRDC peuvent. Mais les gens veulent que les FRDC bakende ti na kati ya Rwanda ou bien babanda ko attaquer. Ya Rwanda tende ko salam. Donc, nous, on se fait ça la manande à Kimia. Les lots, bah, le bila FRDC. Même si au balobi que SADC ou y a main, en premier lieu, ils ont FRDC, c'est des balobi. Alors qu'auparavant, langage, ils ont qui bonté. Aujourd'hui, bah, le bila FRDC. Alors, il fallait interpeller Bissonios. Pourquoi, Moutou, Libosa, a voté, mais à quoi ils ont insisté sur les FRDC? Donc, aucun vent d'être baissé, c'est bon, beaucoup attaquer, n'est non. Et les voisins savent. On est sûr de nous qu'aujourd'hui, les FRDC vont assurer la sécurité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Quel est le projet qui porte les candidats numéro 20? Il a parlé du développement. Dans le développement, il y a les routes de dessert agricoles au Ezanakati. Il y a, dans une province, là j'ai oublié, au fallait accompagner, il y avait les artisans, hein, les termes m'échappent.
au fallait bah accompagner bango dans l'activité bandeau ça. Éducation. À prometta qui kaokende, cette fois-ci gratuité faut qu'il ait une école secondaire. Le deuxième mandat. Et qu'il ait une école secondaire. Et comment mieux appuyer? Non. Oui, mais c'est par rapport à projet. Okay. Projet, ouais, c'est Ngi, non? Ouais, pour le deuxième mandat. Il y a un autre. À prometta qui pour la gratuité et qu'il ait une école secondaire. Ce qui va diminuer sa chance d'un chef de l'État. Gratuité et qu'aucun de tine école secondaire. Ça parmi projet. À promettre sécurité. Totalement. L'économie, on doit revoir beaucoup de choses que Bissomoko et Sengel n'a bisoto produit. Il faut tout bandako produire. Pour Yangoua, le bien Betty, c'était il faut tout bandako produire. Ça fait partie de ma projet là. Sécurité, santé, tu es déjà gratuité et salaminakine pour la maternité à promettre à étendre en haut sur toutes les provinces. Ça fait partie du projet. Mm-hmm. Et pourquoi population faut faire à saler confiance? Population saler confiance, hein, tout le bas. Population saler confiance parce que tout le monde est à Kinshasa. Gratuité à maternité. Ils ont partout. Partout? Oui, partout. Kinshasa, je parle de Kinshasa. Exactement que non, ils ont un centre de santé, mon commune, mon non. Je parle de Kinshasa, à prometta qui y a. À promettre, bah, école, tout le monde, on a réhabilité. D'ailleurs, les universités, on a réhabilité. Tout le monde, bah, université, ils allient en Bougima et on construit. Hormis, bah, construction et salamaki na UPN, bah, construction et salamaki na Unikin, pendant y a francophonie, tout le monde a qui y a. Donc, à promettre, Manzela, à promettre que à cause ça la lissou par rapport à Oyo Tomoni Lelo. Pour yango wana za ba réalité palpable, Oyo Tomoni Lelo. Yango ndeko continuer sousou pour na ba province nyonso mutu nyonso a CP là. Très bien. Merci beaucoup madame Feza d'avoir été avec nous. Si il y a quelque chose qu'on doit retenir du président, ça serait quoi? Dans le bon, on a Lingala. Ça pour lui. Lingala, c'est très important. Candidat Félix Tshisekedi, Aza numéro 20. Donc, nous tenions à Ebi que le 20 décembre, il faut Kende pour voter, à retenir numéro 20. Numéro 20, Ezaka a tendance à faire une promesse à salité. Kinshasa, Aza vitrine. Lelo Kinshasa moni na ba université et moni na ba école et moni na ba hôpitaux et moni Nord Kivu pe oyo baza vraiment ya Nord Kivu bango mo ba moni avantage état de siège et salaki oyo baza ya Nord Kivu o pe ba lingi que Nord Kivu est avancé bazo mona avantage ya état de siège que ce soit en Ituri. Candidat Félix Aza Mutoyo a ebiko zalana population a yo kaka population azoki tant ya ko échanger na population jeunesse a bénéficié na candidat Félix avec candidat Félix ezaka te kono ba mikolo ba mpaka non jeunesse ba jeune baza na place na bango et puis alingi ke mutu nyonso a travaillé. Donc à participer, c'est-à-dire qu'aux élatés que baya ba pesa yo mbongo, que no ba yibi quelque part mbongo ba pesi yo te. Yo moko o développer ma yele na yo. Yangwana candidat Félix. Mutu a développer ma yele na ye ba ko tchango en place pour na to avancer. Eza la rate que to souka na politique te. Le loso ko sala l'économie, ye bani ni ba projet ni okoza ngo na économie pour e avancer. Batobele ba yeba rate ke eza na batu ba soutenaka na ba activité ba action ba kanzaka eza réservé pour les individus non na domaine ni no lingi ko avancer ba mama ba sala tout ba participer pe na politique po ba yeba ke nini ndenge ni sala makapo makambo avancer po ba mama ebele ba linga ko participer te.
Madame Clémence Feza, vous êtes spécialiste dans la communication, vous êtes qui représente, vous êtes le candidat numéro 20, Maton Domingue. Merci beaucoup. Deko Danza. Merci beaucoup. Botondi. Merci Nabino Bolandi. Ils sont partout à travers le monde. Tokutani Lobby. Naba invité mon sous, naba candidat mon sous, mais toujours avec le même plaisir. Au revoir.